Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Daggerfall Unity dans ce playtest où je m'applique à essayer de tester le jeu après l'avoir modé jusqu'à la gueule. Les amis, j'espère que l'épisode précédent vous a plu et on est à la guilde des guerriers. Je vais demander une nouvelle quête à ce personnage incroyable. Alors, Galdor le Valeureux, n'est-ce pas justement celui que je cherchais? Nous avons un boulot plutôt intéressant, demandant un peu de cervelle plutôt que du muscle. Cela vous intéresse-t-il? Oui, mais mes muscles, alors qu'est-ce qu'on en fait? Voilà la situation. Il semblerait que Théodastir Weircroft possède un animal de compagnie, un tigre à dents de sabre. Ne posez pas de questions. Et qu'il se soit enfui. Il y a quelques jours, il a été pisté jusqu'à la caverne de Muchotula. Mais maintenant, nous avons besoin de quelqu'un pour pénétrer à l'intérieur et ramener la bête vivante. L'astuce étant qu'il a été dressé pour répondre au son de cette clochette. Le tigre devrait devenir docile si vous agitez la clochette sous son nez. Théodastir Weircroft a dit qu'il n'était pas encore trop bien dressé. Vous êtes surpris ? Alors vous allez peut-être devoir lui frapper sur la gueule une ou deux fois pour obtenir son attention. Simplement, ne le tuez pas, ok? Ramenez-le à Théodastir, à résidence Moonram. En un seul morceau, dans 36 jours, il vous paiera 288 pièces d'or. Bonne chance. Voilà, donc les amis, on va faire ça. Hop là, c'est parti. Et puis voilà, c'est très bien. Bonjour, sale con. Lui, quand je lui parle, ah ouais, il faut l'assassiner. Non, c'est pas le but. Ok, j'ai mon cheval qui est là. Je vais monter dessus. Alors, j'avais une charrette remplie de merdier, mais je l'ai perdu, les amis, je l'ai perdu. Alors, tant pis pour le merdier. C'est pas bien grave, c'est un test, en tout cas. Donc, nous allons... Voilà, c'est ça. Donc normalement, nous devrions atteindre cette caverne. C'est parti, les amis. Le vent souffle gentiment dans les branches et nous sommes devant ce qui semblerait être une caverne. Alors, moi je veux bien, mais où est-elle? Où est cette caverne? Ah, je crois que je l'ai vu. Très bien, les amis, allons-y. Allez, tire au flanc, tu vas m'attendre bien sagement ici. Et ton papa revient bientôt. Gentil cheval. Ok, les amis, hop, on dégaine et on y va. C'est parti, j'espère que ça va bien se passer. Ok, il semblerait que nous soyons dans le noir le plus total. Alors, je pensais que nous étions encore dans un temps de chargement. Ah oui, j'ai une lanterne. J'avais acheté une lanterne. Ça, c'est classe. Ça, c'est classe, les amis. Voilà. Alors, on a un couloir ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Un loup! Un loup! Allez, le, tu dois mourir à présent, le. Ok, on sauvegarde et on va ancrer l'entrée, histoire de ne pas se perdre. Les bonnes habitudes, les amis. C'est parti. Oh, une porte secrète d'entrée de jeu. J'avais entendu un courant d'air et tout ceci m'a l'air de descendre très, 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 très profondément. Ok, bien, allons-y. Allons-y. Hop là. Descendons dans le sous-sol incroyable. Cette serrure n'a rien à craindre de vous. Elle va craindre ma chausse magique, je vous le dis. Allez, quelques coups de pied dans cette vieille porte en bois vermoulu. Et voilà, les amis. Et voilà. Très bien. Nous sommes ici. Un gentil nounours.
qui va prendre une boule de feu dans sa rasque. Et voilà, ça c'est fait. Ça c'est du sortilols à la barbare. Rien ici, rien du tout. Où est ce tigre? Petit, petit, petit. Petit, petit, tu ne m'impressionnes pas. Il faut rentrer chez ton papa. Et ce sprite de femme nue qui m'a... Oh là 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 là, madame, je suis sous vous. Ah, voilà, j'aime faire saigner des femmes nues. J'entends... J'entends un courant... Oh, ben oui. Voilà, voilà une porte secrète, les amis. Oh là 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 là. Alors, on va s'y enfoncer. D'accord, c'est simplement un raccourci. Qui est-ce qui est en train de se battre? Ah, un homme à arbre avec Winnie l'ourson. Allez, c'est parti, Winnie. Tu vas mourir. Et toi aussi, voilà. J'ai mis le feu partout. Je suis un fireman. Un feu follet avec un loup. Allez, loup, défends-toi contre cette saloperie. Aide-moi à tuer ce feu follet tout pourri. Ah voilà, ça c'est fait. C'est incroyable et magique. Et splash, splash, splash. La jugulaire de ce pauvre loup est tranchée. Et ce bon vieux maître de guilde qui me disait que je n'avais pas besoin de mes muscles, j'ai toujours besoin de mes muscles huilés. Oh là là, mais qu'est-ce que c'était que ça? Quelle bizarrerie! J'ai pris cher, je ne sais même pas pourquoi. Oh là 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 là! Est-ce que ce sont des pièges? Des pièges de l'époque! Où vous ne comprenez absolument rien à ce qui vous arrive! Un crabe! Et cette espèce de saloperie de feu follet qui fait absolument n'importe quoi. Est-ce que j'ai un sortilège de lévitation? Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Serions-nous dans la merde? Très bien. Continuons à faire quoi d'ailleurs? À descendre? Pourquoi pas? Oh, un puma! Ce n'est pas toi que je cherche, je suppose. C'est un tigre à dents de sabre. Voilà, tu es mort, lion des montagnes infernales. Oups, vous avez tué le tigre. Je me demande ce que Théodiste dira. Merde! Ah, merde! On va charger la partie, les amis. Ce n'est pas bien grave. Je sais où est le tigre maintenant. Il m'avait dit de me servir de ma tête plutôt que de mes muscles, mais je ne peux pas me servir de ma tête. Je ne me sers que de mes muscles huilés. Allez, je crois que c'est par là-bas. Alors attention, il y a un lion des montagnes. Hop là! Tu vas mourir, lion des montagnes! Allez, un coup de ma chasse magique et cette porte ne résistera pas longtemps. Voilà notre ami Tigrou qui est ici. Est-ce que je peux utiliser cette cloche sur toi? Tigrou, vous sonnez vigoureusement la cloche, mais cela semble n'avoir aucun effet. Un bon coup de pied dans ta... Oh merde, je t'ai encore buté, Tigrou! Ah ben décidément. J'arrive pas à le calmer, les gars, je le one-shot tout seul, tout le temps. Je fais des réussites critiques sans cesse sur ce pauvre petit tigre. Bon, on va... Alors, je sais pas, je vais lui mettre un bon coup de pied dans sa rasque. Ah, c'est affreux, je n'arrive pas à le calmer autrement que de le tuer. Il
doit être tout excité d'avoir une femelle lion des montagnes en train de s'agiter. Ça sent les chaleurs et la trisse. Alors toi, par contre, je n'arrive pas à te tuer d'un coup, hein. Oups, vous avez tué le tigre, je me demande. Mais enfin, mais ce n'est pas le tigre, c'est un bug. Décidément, j'en ai plein le cul. Je ne sais plus quoi penser. À chaque fois que je vais croiser un tigre, maintenant, je vais agiter cette clochette pourrie pour voir si c'est vraiment celui-ci que je cherche. Drelin, Drelin, où es-tu, Drelin, Drelin? Est-ce toi que je recherche, Drelin, Drelin? Drelin, Drelin, vous sonnez vigoureusement la cloche, mais cela ne semble n'avoir aucun effet. Alors je cherchais un tigre dans le sabre et non pas... Un coup de ma chasse magique devrait te calmer. Ah! Tiens, lion des montagnes, calme-toi! Tiens, prends ma chaussure dans ta rasque! Tu vas te calmer, lion des montagnes, je dois te ramener chez toi! Allez, calme-toi maintenant, calme-toi! Oh, il ne veut rien savoir, il finira par me tuer, cet abruti de chat de merde! Petit, 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 viens chercher tes croquettes! Allez, monte dans la cage maintenant, on va chez le veto! Allez, 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 je n'ai pas de temps à perdre avec un lion de ta race! Il ne comprend vigoureusement rien du tout! Bien, nous allons être obligés de l'abattre, je pense. Il y a un bug magistral! Ma parole! Viens ici, mon petit! Je vais t'anéantir! Hop là! Il ne comprend rien, il a pris déjà des coups de pied, des coups de poing, des coups d'épée! Il ne veut pas se rendre! Ah ben, ce n'était pas notre tigre, en fin de compte. Écoutez, je ne comprends rien du tout. Quand je vous dis que je suis incapable de me servir de ma cervelle, ce n'est pas un moindre mot. Allez! Aïe, aïe, aïe! Je me suis tordu la cheville, tigre! Tigre dans le sabre! Il faut que tu restes sage! Il faut que tu restes sage! Donc voilà, les oreilles du tigre se redressent au son de la clochette. Il agite sa grosse tête de part et d'autre et commence à émettre un son de grognement assez bas. Est-ce qu'il ronronne? Le tigre vient à pas feutrer, se frotte contre vos jambes, manquant presque de vous renverser. Il vous trisse sur la chaussure. Le tigre vous suit désormais. Très bien, les amis. Eh bien, c'est parfait parce que, dis donc, je n'étais pas sûr de terminer cette quête à temps et en heure. Allons voir des femmes nues. Des femmes nues entre les tigres à dents de sabre et les lions des montagnes. Et moi et les femmes nues. Cet endroit est devenu un véritable bordel. Allez, nous allons nous téléporter à l'entrée, les amis, histoire de pouvoir rentrer. Voilà qui est fait, c'est bien mieux. Y avait-il quelques endroits fouillés cependant? Je fais encore cette petite pièce, voilà, un leu, les amis. Quelques caisses. Oh oui, mais j'ai bien fait de m'arrêter, dites donc. Il y a un tas de bordel incommensurable ici. Je prends tout, je vendrai tout ce dépotoir en ville. Rien ne peut résister à ma chasse magique. Voilà qui est fait. Regarde, du trésor, encore du trésor. Et un casque en cuir tout pourri. Tire au flanc, mon cheval. Tu es un animal moins stupide que ce tigre à dents de sabre. Alors, est-ce que tu peux porter un tigre à dents de sabre derrière pendant que je te chevauche? Oui, il va te chevaucher également. Ça a l'air ridicule dit comme ça, mais bon, on va faire avec. Donc, nous voici en ville. Nous voici en ville. Je vais donc rechercher la résidence Mouram. A priori, quelqu'un devrait pouvoir...
me dire où est-ce que je me trouve. Bonjour, monsieur. Pourquoi voudrais-je que vous soyez au courant, Galdor ? Eh bien, écoutez, parce que je vous pose la question, crétin ! Vous êtes Galdor Valeureux, je ne pense pas avoir envie de vous dire où se trouverait. Bon, mais fous le camp, alors, espèce de trou du cul ! Vous êtes aussi con que votre frère jumeau ? Ah, merci, monsieur, merci. Je n'ai rien dit, vous êtes très bon, très bon. Voilà, merci, sur ma carte en plus. Ah, c'est formidable. Merci. Allez, c'est au nord-ouest d'ici. Il pleut comme vache qui pisse. Des vaches qui rient. Ah, des vaches qui rient. Eh oui. Blague douteuse pour un barbare musculeux et huilé, bien sûr. Allez, tire au flanc, au galop, tire au flanc, nous sommes bientôt arrivés. Ramenons ce tigre, ce sale chat chez lui. Il a les dents bien trop longues pour moi. Bonjour, bonjour, y a-t-il quelqu'un ? C'est à vous que je dois ramener ce tigre. Non, je ne veux pas vous assassiner, soyez tranquille, monsieur. Voici les latrines. Allez, un petit coup. Ah, cela fait du bien de se soulager après ces aventures épiques et magnifiques. J'ai du mal à calmer ce tigre dans le sabre. Et voilà, la dernière gouttelette et voilà. Pisser dans les couloirs des gens, cela m'intrigue beaucoup. Allez. Est-ce que je suis bien? Suis-je bien dans la bonne résidence, au moins? Ah, monsieur, bonjour. Oula, vous êtes chichement vêtu, comme un roi, dirons-nous. Ah. Oh, Validis, chérie, tu vas bien? Merci beaucoup de me ramener mon bébé à la maison. Je suis sûr qu'il ne vous a pas posé de problème, hein? Oui, presque pas. J'ai dû quand même lui mettre quelques coups de pied dans la gueule, mais ce n'est pas grave. Regardez, il est en super forme. C'est un beau chat, hein? Dans son cœur, il n'est qu'un gros matou de chat. Il ne ferait même pas de mal à une mouche. Voici vos 288 pièces d'or exactement comme je l'avais promis à ce gentil Agriwir Grenhardt de la Guilde des Guerriers. Eh bien, merci, mon cher monsieur. Et la prochaine fois que vous perdez votre chat, appelez la guilde des mages. Ils auront peut-être un sortilège de rappel pour lui. Voilà, fier destrier, nous en avons fini avec cette histoire à la con. Rendons-nous à la guilde des guerriers. À la guilde des barbares, warriors. Vous êtes toujours aussi con, mon brave, hein, toujours. Alors, as-tu une autre quête à me confier, mon cher? J'espère que l'obscurité ne vous fait pas peur, Galdor le Valeureux. Un nécromancien est en train de lever des hordes de zombies et de squelettes à la nécropole Wixley. Il va falloir nettoyer tout ça. Nous avons un contrat pour mettre fin à la vie de ce diable et mettre un terme à ses visées maléfiques. Il y a une récompense de 312 pièces d'or. Eh bien, écoutez, je prends, mon cher. Allez, super, allez à la nécropole de Wixley, crevez un coup et allez mourir. La nuit tombée, et abattez tous les zombies et les squelettes que vous trouverez dans le cimetière jusqu'à ce que le nécromancien soit suffisamment en colère pour sortir sa cachette. Vous allez vous faire face. Vous avez 20 jours pour revenir me voir quand ce sera fait. 20 jours. Ok, allons-y. Allez, tire au flanc. Nous sommes arrivés, semblerait-il. La nécropole. Un nécromancien, semblerait-il, est en train de relever des morts. Eh bien, nous allons le calmer au plus vite. Je ne sais pas si j'ai le niveau, cela dit, pour abattre des zombies. Mais nous verrons bien.
Ah, Tiroflan, tu ne peux pas rentrer. Eh bien, écoute, je vais mettre pied à terre et tu m'attends ici bien sagement, Tiroflan, hein. Très bien, très bien. Il y a déjà des ennemis aux alentours. Oh là 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 là, c'était un piège! C'était un piège! Oh, des gens hurlent! Ça ne m'inspire pas confiance du tout! Pourquoi j'ai la terrible impression de me faire arnaquer sur ce coup-là? Allez chercher les morts vivants dans le trou du cul d'une nécropole! Oh là 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 là! Ça va mal finir, je vous le dis, ça va mal finir! Oula, squelette! Je veux ton maître, toi, je n'en ai rien à foutre, tu n'es qu'un objet sexuel pour ton maître. Allez, va mourir, squelette, va mourir! Tu es bien trop résistant pour un tas d'os. Il n'y a aucun doute, il y a un passage secret dans les environs. Sondons les murs à la recherche de cette porte secrète. Je ne trouve rien du tout. Que cet étrange, d'où s'échappait ce courant d'air? Ah, ravissant! Une porte s'est ouverte. Où cela? Suis-je déjà bloqué? Je ne vois aucune issue ici! D'où viennent ces bruits de portes qui s'ouvrent? Y a-t-il une autre porte? Probablement, je vais aller voir dehors. Effectivement, les morts sont un petit peu trop agités ici. Laissez-moi tranquille, je me fais... C'est la nuit des morts vivants! Ah, oh, là 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 là! Au secours! Je suis poursuivi par des cadavres ambulants! Des cris de loup-garou inquiétants! Mais c'est Halloween! Oui, Tiroflan! Tiroflan! Viens en mon aide, Tiroflan! Nous devons partir au plus vite d'ici! C'est un guet-apens! Partons au galop, Tiroflan! Un peu de repos ne fait pas de mal! Oh, des hommes lézards en plus! Mais vous êtes combien? Et des pumas, ça devient complètement la folie ici! Battez-vous entre vous! Je ne veux rien savoir! Un zombie mort est un bon zombie! Oh là là, les vraies aventures, les amis, les vraies aventures!
Non, j'ai chassé ton copain tout à l'heure, c'est pas pour te voir arriver à toi. Je déteste les chats. Ils chient partout, ils trissent, ils te pissent sur les galasses. Et encore des hommes lézards, décidément. Je n'arriverai pas à trouver ce nécromancien. Veuillez mourir, messieurs. Je ne veux pas de problème avec vous. Tunique habillée. On dirait une tunique de bouffon. À moins qu'elle ait un sortilège extrêmement rare sur elle, je ne pourrais pas la porter. J'en ai marre de tout ce bordel. Laissez-moi trouver mon nécromancien. Vous n'avez rien à voir dans cette histoire, homme-arbre. Où est la nécropole, du coup? J'ai perdu complètement le sang. Vous sentez l'odeur d'un cadavre fraîchement enterré. Et un corbeau croisse au loin. Du coup, où en étions-nous avec toute cette merde? Encore des squelettes. Je veux ton maître. Voilà, là, mais c'est la misère, effectivement. C'est peuplé de ravissantes créatures ici. Meurs, zombie, et reste dans ta tombe la prochaine fois. Combat épique où ce JPEG est buggé. Oh. Il a fini par m'avoir, et comme dit dans ces légendes de Tamriel, la mort frappera maintes reprises avant que nous puissions atteindre notre objectif. Quel cri inquiétant! Ça glace le dos! Ai-je encore une potion sur moi? Voilà. Allez, meurs maintenant, meurs! Retourne dans ta tombe! Sinistre mort-vivant, voilà, c'est très bien. Mais combien êtes-vous? Vous n'avez pas le droit d'être aussi nombreux face à moi. Je prends affreusement cher, n'est-ce pas? Quand le mort-vivant s'effondre, vous sentez le sol vibrer sous vos pieds. Le nécromancien est ici. Et où? Je ne le vois pas. Il me tire comme une... Oh là là, c'est vous, monsieur? Venez, je vais vous corriger. Je crois que je l'ai eu en même temps qu'il m'a eu. Enfin bon, c'était glorieux, les amis. Nous allons le rosser et nous allons l'enterrer. Et celui-ci ne se relèvera pas. Je puis vous l'assurer. Allez, c'est parti, saloperie. Vous allez payer ça avec votre âme. Le nécromancien s'effondre sur le sol. Son armée de morts vivants va se disperser et ne menacera plus les villages aux alentours. Et bien voilà qui est fait, et c'est une bonne chose de faite, parce que, franchement, très bien les amis. Rentrons à Daggerfall. Un niveau.
Très bien. Allons-y. Un courrier au visage rouge vous fait sursauter en criant une lettre pour Galdor le Valeureux. Et ça doit être vous. Voilà, prenez ceci, je dois y aller. D'autres livraisons à faire. Décidément, tant de gens demandent mes requêtes. Allez, allons rendre cette foutue quête. Je crois que j'ai tué le nécromancien. Bon travail, héros. Vous avez sauvé beaucoup de vies innocentes. 312 pièces d'or, c'est tout, tu te fous de ma gueule. Voilà les amis, eh bien écoutez, si ça vous a plu, j'espère que ça vous a plu. Hein. C'était des vraies aventures, les copains. Et n'hésitez pas à mettre le pouce bleu, à partager, à vous abonner. Si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. Et je vous fais des gros bisous pour la suite des aventures de Galdor, le musculeux et valeureux. Huilé, bien sûr, n'est-ce pas, mademoiselle?